était sérieuse quand elle a dit qu'elle voulait qu'on se voie seule. Même son chien Croquette n'est pas là. Craig. Oh, Sauvage Jaune. C'est drôle, comme ça tu étais de l'autre côté de cet arbre. Waouh. Alors, comment ça va depuis que tu as été gelée? Craig, Croquette s'est enfuie. Hein? Mais vous êtes inséparables. C'est ton meilleur ami. Pourquoi il se serait enfui? J'en ai aucune idée. Bon, je sais qu'ils sont occupés, mais je vais envoyer un texto à Kelsey et JP, ils vont nous aider. Non, pardon, en fait, ils... Hello. Kelsey et JP me considèrent comme une grande experte de la vie sauvage. Ah oui, c'est vrai. S'ils découvrent que Croquette m'a échappé, ils vont se dire que j'y connais rien aux animaux. Encore moins que toi. D'accord, bon, je vais t'aider. Merci, Craig. Bon, où est-ce qu'on devrait chercher en premier? Ici. Est-ce qu'il est dans le jardin de quelqu'un? Pourtant, on n'est pas près d'aimer. Oh, une autre... Brigitte? Croquette! Aboie tant que tu voudras. Croquette a décidé de rester ici avec moi. Mais Croquette est mon meilleur ami. Il faut croire que c'est... mon meilleur ami maintenant. Oh, Croquette. Parfait. Sauvage Jaune. Sauvage Jaune. Sauvage Jaune. Oh, pourquoi elle est revenue dans cet endroit magnifique? Allez. Je suis désolée pour tout ça, Sauvage Jaune. Je connais Brigitte, c'est la pire des manipulatrices. Elle est capable de convaincre les enfants de la crique les plus intelligentes de faire ce qu'elle veut. En plus, elle m'a enfermée dans une cage une fois. Je suis sûre qu'elle a un plan diabolique, qui implique très probablement une cage. En tout cas, c'est pas ta faute, Sauvage Jaune. Comment un chien pourrait avoir un plan diabolique, Craig? Qu'est-ce que... Quoi? Brigitte, c'est pas un chien, c'est une fille dans un costume de chien, enfin. Oh, Craig, t'as vraiment une imagination débordante. Et t'y connais rien du tout en matière d'animaux. Je laisse toujours Croquette prendre ses propres décisions parce que je crois pas que les humains devraient dire quoi faire aux animaux. J'ai jamais exigé que Croquette rapporte un bâton, je lui demande s'il en a envie. Alors, s'il veut rester avec cet autre chien, eh ben, je crois que c'est la fin de notre amitié. Sauvage Jaune. Il faut que je l'aide, ce qui veut dire que je dois comprendre quel est le plan diabolique de Brigitte. Sauvage Jaune est parti. Alors, Brigitte, voyons un peu ce que tu mijotes. D'accord, pas mal. Mais peut-être que je regarde pas assez bien. Allez, Croquette, va chercher le bâton. Allez, va chercher. Vas-y, mon grand. Va chercher le bâton, mon grand. Oh, je t'aime aussi. Une minute. Est-ce que j'avais tort à propos de Brigitte? Peut-être qu'elle ne prépare rien de diabolique et que Croquette est bien son nouveau meilleur ami. Ah, je ferais mieux d'y aller. Brigitte! Oh. J'ai réussi. J'ai enfin réussi. Oh, Carl. Est-ce que la machine est prête? Oui, elle l'est. Est-ce que les sujets sont prêts? Bien sûr qu'on est prêts. Qui est-ce qui est prêt à échanger son corps avec Brigitte? C'est toi qui es prêt à échanger ton corps avec Brigitte? Mais oui, c'est toi, mais oui, c'est toi. Je vais réussir. Je vais enfin devenir le chien dont ce monde a besoin.